Voilà, ça résonne. Ça s'appelle Cathedral Cave. Je vais me ramasser un stalactite sur la tête si je continue. Et il y en a des gros. Je fais le con. C'est mon premier jour. Je viens de commencer mon aventure à Palau. Merde, on voit pas le... Il y a un beau vert derrière. Je vais aller m'échouer là. Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ça a l'air pas mal. Et voilà, les joies du kayak. Ah, une vague. Le problème, c'est qu'on s'extraire de ce truc. Admirez la vue. Avant que mon kayak ne me quitte. Il faut que je me dépêche, il y a un grain qui arrive là-bas. C'est pile dans la direction. Je suis plus très loin de l'endroit où je vais bivouaquer ce soir. Ça fait comme un lac. C'est chouette, hein? Pas évident de se frayer un chemin sans pagayer. Si je pagaye, je peux pas tenir l'appareil photo. Je peux pas faire plusieurs choses à la fois. Bon, on va la voir cette lagune. Je t'aurais donné un coup de pagaie, mais si je fais ça, je dérive. Allez, un petit effort. Tu vas mouiller. Il y a un oiseau qui donne l'alerte. Évidemment, ce truc est tellement là à déclencher qu'on n'entend plus rien. Terrestre de guerre. J'ai jamais vu une jungle comme ça. Ça
Ça, c'est le programme de demain. Et jolie la vue, hein. Je suis en haut d'un ancien phare allemand. On dit la qualité allemande. Ça se perd, hein. Il faut dire que ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Et je viens de là. J'ai traversé tout ça. Avec le sanctuaire de Dugong, là, au milieu. Le truc qui sert à rien. Et hier soir, j'ai campé là. À peu près. Au centre. Là où on voit une plage. Et je suis monté par là. Une espèce d'échelle qui m'a fait ruisseler tout au long de mon corps. Je vais passer la nuit là. C'est mon campement. Je me suis mis là, face à la mer. Il paraît que c'est là qu'avait été tourné Koh-Lanta. Je suppose qu'ils avaient dû enlever les tables. Retour à Koh-Lanta. Je ne sais pas quelle saison c'était, mais ils ont dormi sur cette plage. On va savoir où. Peut-être là derrière. C'est le making of. Little Ngerimediou, un nom imprononçable. C'est magnifique, hein. Cet endroit s'appelle la Milky Way. Facile de comprendre pourquoi. Toujours sur le canoë. Que pensez-vous de mon petit arrêt? Paradise Cove. A-t-on déjà rêvé d'une plage plus petite? Pour soi tout seul.
C'est fantastique, hein? Moi, j'adore. Attention à la tête. Il m'avait prévenu, hein. Faut pas y aller à marée haute. Ça va, elle baisse. Ça devrait donc passer. Elle n'est pas haut, hein. Oh, je vais m'arrêter faire une photo. Hop, on coupe. Faut pas s'inquiéter, hein. Le canoë va venir. Il est dans le sens du vent. Je voulais m'arrêter parce que c'est un petit chenal où j'ai de l'eau à la cheville. Enfin, à la cheville, au genou. Et alors, les couleurs, ça mérite bien une pause. Pas besoin de pagayer. C'est cool, ça. Et c'est pas que je suis sur mon élan, hein. Regardez les feuilles. C'est la mer qui monte. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait quand même pas mal. Après, il faut revenir. Kayak. Il faut ramper un peu. Accosté à Honeymoon Island. Il n'y a qu'à laisser glisser. Regrette pas d'avoir pagayé jusque là. Noé là, maintenant. Je crois que je vais aller pique-niquer sous ce cocotier unique.
Allez, on va reprendre le kayak. C'est trop moche. C'est pas l'arrêt. C'est pas là où je dois déjeuner. J'ai regardé sur la carte. C'est vrai que c'est moche, hein. Ça mérite que je reparte aussi sec. Attention, préparez-vous à la vue. Je suis allé voir de l'autre côté en fait. C'est tout à côté. C'est une petite île de Robinson. Il n'y a que moi qui y suis passé. Je le sais parce qu'il n'y a que mes empreintes de pas. Sur la tête. Bon, on va arrêter parce que sinon après, j'aurai plus de mémoire. Oh, j'ai pas précisé, mais c'est là où je dors ce soir. Cette petite bande de sable sur l'île déserte. Je vais être bien. Eh bien, me voilà arrivé au campement de ce soir. Seulement, ces îles sont incroyables. Je crois que je suis arrivé par le mauvais côté. C'est juste ça à traverser. Et demain, comme je vais en face, de l'autre côté, vaut mieux que je parte de là. Ça m'évite de faire tout le tour de l'île. Bon, on va se dépêcher, ça devient longué. Je vais courir, ça va trembler, attention. D'ici que je me prenne les pieds dans une racine, surtout que je suis pieds nus. Et voilà l'autre côté. Et demain, je vais là-bas au fond, où il y a un lac avec des méduses non urticantes.
La voilà enfin, la baie. J'ai déjà repéré là où j'allais foutre mon cul. Là-bas, il y a de l'ombre, sous cet arbre. Faut passer là-dessous, ouais, pour aller là-bas. Il y a une plage où je vais pouvoir me reposer. Ben, il me tarde d'y être. Hein. J'en peux plus. Je devrais prévoir des moteurs, au cas où. On en a marre, comme moi. Je fais la grève de la pagaie. Voilà. Ça n'existe pas, je l'invente. Je dois être en manque de protéines. C'est pour ça. Ah, j'ai une faim. Ça, c'est un nœud. C'est parfait, ça attend que ça. Ça attend plus que ma tête pour que je me pende. C'est un peu bas. À manger en attendant. Bon, et eh bien, nous voici arrivés à destination, n'est-ce pas, du campement de ce soir. Ici, là, présentement. Va falloir que je me dépêche à planter la tente, parce qu'il y a un grain qui arrive, qu'on ne voit pas d'ici,
mais qu'on voyait de la vue d'avant. Voilà, ça c'est la météo qui suit. Donc j'ai intérêt à me dépêcher. Je suis en train de me retarder pour manger, mais il y a des choses que je me sens obligé d'immortaliser. Comme ça par exemple, voilà. Et surtout, cette vue. Avec le soleil qui se reflète dans ces derniers instants. Au bout du monde. C'est pas tous les jours que je reviendrai là. Là, c'est une plage à la Koh-Lanta. Ou alors je connais pas mes classiques. Allez, on va manger. On va aller voir le merdier. Ça aussi, ça s'immortalise. C'est en train de cuire un petit réchaud à pétrole que j'ai. Enfin, c'est une espèce de combustible que je mets là-dessous. Et sinon, maintenant, je me fais plus chier pour la tente. Chaque fois qu'il y a un abri, je mets ma tente dessous. Sans même me donner la peine de mettre un double toit. Comme ça, je suis bien à l'abri de la pluie. Voilà. Il a encore fallu que je me lève de table. Pour la bonne cause. C'est incroyable, hein. Bienvenue à Jackson's Beach. Et nous allons aujourd'hui là-bas au fond. Ça va être une dure traversée, mais la détermination y est. Allez, c'est parti. Il me reste encore bien du chemin à parcourir, mais regarde ça. Je suis au milieu de l'océan. Il y a de ces couleurs. Hé, il y a la pagaie qui tombe. La pagaie, je serais bien emmerdé. Bon, c'est impossible de prendre une photo panoramique, c'est bien dommage. À cause de la houle, ça tremble, ce qui permet pas d'avoir un plan, une ligne d'horizon plate. Mais j'ai une solution, le film. Nous voici à Ngemelis. Alors, Ngemelis, ça se trouve... Ça, c'est la carte des Rock Islands. On est là. Alors les tremblements, n'essayez pas de régler l'image, c'est normal. L'appareil photo est sur le bateau. Et je suis au milieu d'un lac Gong. Et tout à l'heure, je faisais le con. Et il y a un requin qui est passé juste à côté, presque entre mes jambes. Alors on va faire tourner le plan pour qu'on voie le spectacle. C'est un peu lent, hein. Je suis désolé, mais le kayak est pas très maniable. Allez, jump. Et voilà pour le tour du propriétaire. On va arrêter la vidéo là. Regarde-moi ça. Je viens d'accoster
Ça bat tout ce que j'ai déjà vu. Ah, j'en reviens pas. Je vais escalader ce petit rocher. Je suis sûr qu'on a une vue superbe d'en haut. Et voilà, je vous fais bénéficier de la vue d'en haut. J'avais raison, non? J'ai bien peur de ne pas pouvoir me réhabituer à une vie normale après tout ça. Ça va être dur. J'ai trouvé le paradis sur terre. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. On arrive à mon camp pour ce soir. Je suis censé y dormir que cette nuit, mais parce qu'il faut un permis. Mais je crois que je vais aussi y dormir la nuit prochaine. Je vais changer mes plans. Maintenant que j'ai trouvé le paradis, je vais pas le laisser d'ici tôt. Une gémélisse. Un oie souvenir. Bon, c'est marée basse, ça rend pas trop, mais... L'avantage, c'est qu'il y a un banc de sable qui permet d'aller sur l'île en face. Et je suis arrivé par là. Il y a le kayak là. On ne voit pas, mais... Voilà. Bébé requin qui joue après un banc de poisson. Ça a mal se terminer cette affaire. Oui, il est vers moi. Il est où? Il va me grignoter. Il est de l'eau à la cheville. C'est marée basse et je le... Ça n'empêche pas le canoë de foutre le camp.
surveille mon kayak. Je l'ai laissé là-bas. On voit même pas tellement il est loin. Juste sur un petit banc de sable alors que la mer monte. C'est un peu inconscient. Je voulais voir ça quand même. Alors, c'est pas bien. C'est l'heure. Comme des Bernard Hermite. À Carpa Island. Je vais aller manger, je vais comme ça, je vais améliorer l'ordinaire. Et oui, on est là, Carpa Island. Allez, petite pour la route. Oh, des poissons. Bon, un peu je verserai une larme. C'est mon dernier coucher de soleil sur Koror. Sur Koror, sur Palau. Nous sommes à Carpa Island. Et je vais aller me substanter, ça va me changer des boîtes de conserve. Et je viens de boire ça. Je sais pas si on voit, Asahi, c'est la bière locale. Ça me requinque. C'est le tableau des activités. Et devinez ce que je viens de boire. Là. Pas moyen d'être anonyme. Hein. En plus, ça indique comment je suis arrivé là. Avec un bateau.